Ça faisait un gros de presse, là. Ja, dat is goed, ze geen risico's pakken. Ja, maar kijk, hier was al bijna de openingsgoal. Halve minuut gespeeld. Idris, ja, Rahou. Oeh, dat is jammer. Ja, de hoek was scherp uiteraard, maar dat kan niet wel. Goed meegepakt en ook goed gegooid. Ah, een klein kansje toch. Zeker, over het hoofd heen. Ja. Uithaal van Gislandi hier. Met de linker. Ja, dat is mee. Dit soort dingen. Dat zijn kleine factoren, hè. Maar normaal komt Dumme aan het schot. Daarmee zeg ik er juist met die... Dat komt aan het schot, maar dat was niet juist. Hij moet daar wel uitkijken, niet zomaar inleveren. Idrissi heeft dit wel onder controle. Goed, goed in de wedstrijd. Ja, heel de campagne al. Hè. Even uitkijken. Goed nog van Adnan. En Idrissi die denkt, weg is weg. Adnan. Ah. Slim. Niet forceren. Idrissi. Toch werd Leo gevonden. Kijk maar. Dit had de openingsgoal kunnen zijn. Léo, ça circule, ça bouge, il y a du mouvement, la connexion là, Annan. Oh, il y a une bonne intervention aussi de Jyrki Ainen, attention à ceci, Idrissi, c'est goal, aïe, 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 aïe. Ça, c'est quand même une petite catastrophe. L'ouverture du score par les Finlandais, bon ben là, voilà, plus le droit de calculer, faut y aller. Ah, c'est ce diable de Lirovana. Là, on doit jouer. Allez, on doit vite se ressaisir, là, on faut... Il reste largement hein, le temps de revenir. Ça pourrait être une magnifique histoire au final si on s'impose, mais on s'en souviendra. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Et Talaki. Ouais, encore différentes options. Ahmed Sabapti. Et ah, ce ballon qui était presque Savonnette. Savolainen. Oh, quelle bonne relance. Belle relance du gardien. Kitola, Kitola et Idrissi. C'est important, c'est important que Mousse nous garde dans le match. Très, très important. Allez. Super arrêt. Et là, il y a un coup à jouer avec Etalaki. Etalaki qui va se retrouver peut-être en 1 contre 1. Etalaki, le retour du Finlandais. Mais ils se sont véritablement jetés. Léo. Avec Idrissi, la frappe, et là il faut absolument il faut se repositionner. Voilà. C'est bien joué parce qu'il aurait pu tenter sa chance directement. Alim le gardien qui a très très bien gêné le gardien, ça fait partie du jeu. Sabapti, ça passe pour Sabapti. Ah, oh, dommage. Dommage, il avait bien fait ça. La finition, la finition, dommage, dommage, dommage. Après, il l'a pris vraiment de la pointe, je pense. Je pense que le but c'est d'oublier l'homme qui est au poteau de l'autre côté pour qu'il puisse donner une balle au point de pénalty. Mais... Ouais, comme ici, super. Avec Adnan, oui, il est là. Super. Il est là, ouais. Le déclic peut-être, Ibrahim Adnan qui redonne espoir à tout un pays. Un but, voilà ce qu'il manque à la Belgique, Karim. Allez, un seul. Un petit but et nous sommes à l'Euro. Rappelez-vous ce que je vous disais, on va s'en souvenir. Et là, ça c'est la cata. Ouais, ouais, ça c'est la cata. Vana qui fait un 2 buts à 1. Ce n'est pas encore terminé, c'est certain, mais ça y ressemble hein, tout de même là. Annan. Ouais. Kasdiniz avec Ahmed Sabapti et une nouvelle fois une semelle finlandaise. Et derrière ça rentre. Et derrière ça rentre, bon bah écoutez, c'est marqué pas de bol hein, sur ce dégagement. Je pense même pas qu'il avait l'intention, il voulait simplement dégager. Mais ça fait 3-1.
En quelque sorte, ça ne change de toute façon, on ne va pas dire grand chose, mais il fallait de toute façon en mettre deux. La frappe. Oh, c'est goal. Oui, il est rentré, voilà. Mais comment est-il rentré, Karim? Voilà, elle est rentrée. Lucas Diniz, 3 buts à 2, il manque un but à la Belgique. Et faut pas le perdre, il y a une faute peut-être. Le principal, c'est que le ballon ne rentre pas. Voilà, ça c'est l'essentiel. Et c'est rouge pour Léo.